Alors, je vous invite à vous asseoir confortablement, garder une posture, le dos droit, pour être bien alerte pendant votre méditation. On ne veut pas s'endormir. Quand on médite ici, en méditation, on va garder les yeux ouverts ou bien semi-ouverts. Vous pouvez les poser sur la bougie, une fleur ou bien le point de lumière devant vous. Et tranquillement, je vous inviterai à prendre contact avec votre corps, assis sur votre chaise. Respirez profondément. Tout en emplissant vos poumons d'air. Ressentez à quel point votre corps se détend à l'expiration. Je prends ce moment pour moi. Je prends ce moment pour me donner ce dont j'ai besoin et retrouver ma plénitude intérieure. Je crée un moment où je commence par être attentif à mes ressentis dans mon corps. Attentif à créer un sentiment d'harmonie dans mon corps, une détente, un bien-être. Le souffle me permet de créer cet état d'attention. Attention dans mon esprit. Attention à moi-même, à mes pensées. À mon souffle, à ma respiration, je sens un calme grandir à l'intérieur de moi, une détente, un bien-être. Et là, je vais donner quelques sentiments à ma respiration. J'amplifie ma respiration avec du bien-être. À chaque souffle, à chaque expire, je laisse ce sentiment de bien-être se diffuser partout à travers mes cellules. Des milliards de cellules qui composent mon corps. Je respire du bien-être sous la forme de paix, de calme, mais aussi un sentiment d'harmonie. J'ai vraiment le sentiment de créer, recréer l'harmonie en moi-même. Et cette harmonie devient plus forte que toutes les pensées qui peuvent venir interférer dans ma méditation. J'aime créer l'harmonie en moi-même. J'aime cet espace sacré que je suis en train de retrouver en moi, dans lequel brille un sentiment naturel de bienveillance. Je me fais du bien. Je respire avec bienveillance. Tout en ayant les yeux ouverts ou bien semi-ouverts, je colore mon regard, ma vision avec bienveillance. Je vois la pièce autour de moi et en même temps je choisis de ne plus vraiment la voir parce que je suis retirée dans mon espace intérieur. Dans cet état de solitude avec moi-même et en même temps de plénitude. Je me donne à moi-même ce dont j'ai le plus besoin. Je me donne cette paix, ce calme,
qui m'invite également à me donner de l'amour. Un amour qui me permet de m'accepter tel que je suis là maintenant dans ma vie. Un amour, une bienveillance naturelle envers moi-même qui me conduit même à m'apprécier, à me valoriser, à me considérer comme un être absolument unique, extrêmement précieux, comme si j'étais le diamant le plus précieux du joaillier divin. J'imagine que je scintille une énergie lumineuse, belle et pure, et que ce scintillement passe à travers mon regard, mes yeux deviennent emplis de cette appréciation pour moi-même. Comme si je reconnectais pour la première fois avec moi-même et j'étais émerveillée par ce que je suis. Un émerveillement pur d'être tout simplement ce que je suis moi-même, authentique. Je suis bien tel que je suis lorsque je suis en contact avec ma vérité, avec ma beauté intérieure. Que je suis en contact avec tous ces trésors en moi, toutes ces qualités, je me rends compte que je n'ai besoin de rien. Le seul besoin que j'ai, c'est de me retirer dans mon espace sacré, espace de silence, espace de beauté, espace de paix. Et goûter, ressentir chacune de ces qualités vibrer en moi, vibrer dans mon cœur. Je me donne à moi-même. Je reconnecte avec ce qui a toujours été là. Et qui sera toujours là. Et en moi grandit cette foi très profonde que je ne manquerai jamais de rien. J'ai tout à l'intérieur. Et qu'à l'extérieur, l'univers me prodiguera toujours. La vie me prodiguera toujours tout ce dont j'ai besoin. Mon seul engagement, c'est de faire le calme, retrouver cet état de plénitude en moi. Retrouver la joie pure d'exister, ce bonheur qui est là en moi et qui jaillit comme une source. Je peux prendre le temps de m'imaginer comme une fontaine de bienfaits, comme un soleil radieux
respire comme un diamant étincelant. Tu laisses des sentiments nobles, purs, bienveillants emplir mon cœur et se propager dans l'atmosphère. Bien sûr, je peux penser à certaines personnes dans ma vie qui ont besoin de recevoir ces énergies. Et en même temps, je laisse aller. Je sais que mes vibrations se porteront là où elles doivent aller. Toucher les êtres qui doivent être touchés. La seule chose que j'ai à faire, c'est de rester connectée avec moi-même et surtout inviter la source de toutes mes qualités, de tous ces bienfaits. Inviter cette source à m'inonder de lumière. La laisser me colorer d'amour, de joie. Je deviens un canal. Je laisse cette énergie me traverser, circuler et aller là où elle doit aller. Je me rends tout simplement disponible. Laissant de côté toutes les pensées qui viendraient distraire cette disponibilité. Mon seul devoir, ma seule attention, c'est de recevoir. Recevoir cette lumière, cette énergie. Si douce, si pure, si bienveillante de la source, du divin. Et je laisse grandir en moi un sentiment d'émerveillement, de gratitude. Gratitude pour faire partie d'un plan. Un plan plus grand que mes plans à moi, un plan bienveillant. Un plan qui élargit, qui agrandit mon cœur, qui me permet de retrouver réellement ma véritable nature. Celle du don, du partage. Je prends soin. Je laisse cette énergie consciemment colorer tous les aspects de ma vie. Avec la certitude que lorsque je vais me lever ce soir et retourner à mon quotidien, j'avancerai dans ma vie avec une énergie nouvelle. Une énergie permet de vivre à mon meilleur. D'être un cadeau pour moi-même et un cadeau pour les autres. Om Shanti. Om Shanti.
Je suis une âme. Shanti. Paisible. Alors, un grand merci pour être venu ce soir, pour être venu enrichir de vos vibrations cette merveilleuse place qu'est l'émergence. Je vous souhaite une très 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 belle soirée, une belle semaine et je vous dis à très bientôt et laissez bien vos vibrations se propager et apporter des bienfaits autour de vous. Bonne soirée, Om Shanti. Merci.